Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Bébois. Cette semaine, on s'occupe de la scie sous table. On va faire du zéro clearance, c'est-à-dire il n'y aura plus de jeu entre la lame et la plaque. Alors, pour ceci, on va démonter cette plaque ici. On va la remplacer pour ne voir que la place de la lame ici, tout du long. Parce que c'est vrai que ça peut être dangereux. J'ai déjà eu un éclat ici où une pièce, elle vient se coincer ou elle rentre dans cette partie-là de la scie et ça peut devenir dangereux. Donc moi, je vais essayer de reproduire quelque chose qui aura à peu près la même forme que cette plaque ici, qui viendra s'insérer complètement ici avec l'épaisseur ici. Et je vais garder sur cette lame, sur cette scie ici. Ce qui est bien, c'est qu'on peut régler de l'extérieur la hauteur de la plaque. Je vais garder exactement le même système, car comme vous voyez, il y a quand même du jeu ici. Et on va garder le même système pour avoir exactement la même plaque.
Bon, je voudrais revenir sur deux, trois petits détails avant de continuer cette vidéo. Donc, vous avez vu, les ajustements, c'est vraiment serré. J'arrive ici, j'ai reculé le guide. J'arrive et j'ai vraiment quelque chose qui est vraiment serré sur la machine. Donc, il y a plein de petits détails. Donc là, il faudra voir en fonction de votre machine. Mais franchement, déjà là, le trait de coupe et avoir cette fine bande au lieu de celle-ci. Ben, vous voyez, on évite pas mal de dangers. En parlant de danger, j'ai changé ma lame et j'ai encore fait une bêtise, j'ai oublié de mettre mes gants. Bon, je me suis griffé, c'est rien de grave, hein, c'est juste griffé, ça aurait pu être plus profond, mais avec la clé, on n'oublie pas de mettre ses gants. Je vous parle de sécurité pour faire un truc un peu plus sécurisé et avec que je me blesse. Enfin. Donc là, vous voyez, moi, je l'ai bien ajusté. Hop, ce qui fait qu'ici, je vais pouvoir verrouiller, vous avez vu. Le danger aussi, faites attention quand vous allez venir usiner la plaque. Vous avez vu, j'ai mis le guide au-dessus. J'ai remis une cale pour le tenir. Bien sûr, là, vous ne me voyez pas parce que je suis hors champ caméra. Je ne me mets pas ici pour usiner. Hein. Moi, je me suis mis sur le côté, je me suis écarté. Je me suis bien écarté et hop, je suis venu usiner sur le côté. Je ne me mets pas face parce que là, comme on est en train de débiter une plaque en pleine matière et qu'elle n'est pas tenue, pas forcément, enfin. Il faut prendre pas mal de précautions. Faites attention à vous en refaisant l'opération. Bien sûr, à chaque fois que la lame, là, je la touche, vous ne voyez pas non plus, on débranche la machine. On ne laisse pas une machine sous tension lorsqu'on intervient sur la lame. Bien. Donc du coup, là, on va continuer. Quelque chose de tout simple. Une vis, un axe, et on va faire le même système pour venir ici le fermer. Bien, bon, ça y est, ce projet est maintenant terminé. Donc, comme vous pouvez voir ici, pour le démontage, j'arrive en butée, hop, je sors ma platine très rapidement et je peux intervenir sur la lame. Là, j'ai aucun jeu. Donc, j'utiliserai celle-ci pour les coupes droites et pour les coupes en angle, ben, bien sûr, je remettrai mon ancienne platine ici et je reviendrai refixer pour pouvoir faire les coupes de 0 à 45. Au début, je voulais utiliser les vis, mais avec l'usinage ici en laissant 6 mm, je suis vraiment en fleur de la table. Donc je vais rester comme ça. Là, et ça se remonte très très facilement avec mon système ici. Hop, pour venir verrouiller. J'ai fait un petit croquis. Je ne vous fais pas de plan, mais je vous mettrai le croquis ici en photo. Et dans la description juste en dessous, vous aurez le lien. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne DB Bois. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Enfin, vous savez tout ce qu'il vous reste à faire. Mais plus important, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Ciao.